Alors, à l'origine du souk, du vieux souk de la Marsa, souk l'Aqdim, il y avait le palais Ksaratej. C'est à partir du palais que l'artère du souk commence vers la direction de la place du Safsaf. Alors, le souk était constitué par deux tronçons, un petit tronçon qui va du palais jusqu'à le Sabbat. Puis il y a une bifurcation vers la place du Safsaf en passant devant la porte de la mosquée. Alors il s'agit d'une artère à la fois commerciale dans les magasins au rez-de-chaussée et résidentiel sous forme de Ali au-dessus des magasins. C'était donc le souk, cette artère commerciale, elle aboutit à la place du Safsaf. Donc, place du Safsaf et le souk formaient le premier noyau urbain de la Marsa. Parce qu'avant, il y avait la Marsa était une zone, disons, semi-rurale. Donc c'est grâce à ce premier noyau urbain que la Marsa s'est transformée en une petite entité urbaine sous forme de localité. Malheureusement, ce noyau urbain initial, historique, a été démoli entre 1958 et 1962 dans le cadre d'une opération menée par la municipalité, dite opération de rénovation urbaine. Alors, la place du Safsaf, c'est la seule place qui existe dans la ville, place digne de ce nom, en ce sens qu'elle est quasi fermée, en étant limitée par le café du Safsaf, café Hawass et l'immeuble Khaznadar devenu l'immeuble Shérif. C'est un espace qui s'apprêtait à l'organisation de manifestations populaires comme la fête de la vigne, Halqat l'Anab, la projection de films en plein air sur l'immeuble Shérif. Et puis, Kharja de la Aïssaouia, quoi d'autre? Il y avait aussi l'organisation de concerts, de musique. Donc, c'est une place de réjouissance populaire et de manifestation, disons, culturelle. Thank you.